Citation pour se réveiller, s'éveiller, méditer. Toute vérité passe à travers trois étapes. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite elle est violemment contestée, finalement elle est acceptée comme évidente. Arthur Schopenhauer. Le hasard est le chemin que Dieu emprunte quand il veut voyager incognito. Albert Einstein. Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Edward Snowden. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Jiddu Krishnamurti. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Albert Camus. Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui vous présentent des chemins au bout desquels vous ne serez plus la même personne. Tout au long de votre vie, vous aurez des choix à faire qui vous mèneront sur le chemin de la paix intérieure ou celui de la destruction de vous-même. Écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous murmure que les seules bonnes décisions sont celles qui se trouvent hors du mensonge que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres. Visez la vérité, l'intégrité et l'authenticité. Cela peut demander beaucoup de travail sur soi, de discipline, de courage, mais surtout d'amour de soi. Regardez-vous avec amour et écoutez ce dont votre âme a réellement besoin. C'est de l'amour de soi que naissent la paix et la sérénité. Nelson Mandela. Entraînement à la lecture avec la citation d'Albert Camus. Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Albert Camus. Si vous avez aimé ces citations, mettez-leur un pouce bleu et partagez-les à volonté. Je vous propose de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez continuer à pratiquer le français, je vous propose d'autres citations juste ici. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.